Moi, je vous dis, c'est le temps de lancer un nouveau maître chez nous au Québec. Moi, je ne trouve pas ça normal actuellement que des compagnies privées viennent pomper notre eau, qu'ils la mettent en bouteille, puis qu'ils ne payent pas une maudite scène de redevance sur cette eau-là. Je ne comprends pas ça. C'est notre ressource, ça nous appartient. Les compagnies qui pompent notre eau devraient payer des redevances et ça devrait nous rapporter à nous. Je dis la même chose pour le sous-sol minier. Vous avez vu le rapport du vérificateur général. Moi, je suis pour ça, l'ouverture des mines. Ça crée des emplois, ça nous enrichit collectivement. Mais ça nous enrichit collectivement, oui, par les emplois créés, je veux bien, mais ça va nous enrichir d'autant s'ils payent leur juste part de redevance quand ils viennent chercher notre cuivre, puis notre zinc, puis notre or, puis notre fer, puis tout le reste. Je comprends pas, moi, comment est-ce que le gouvernement peut envisager actuellement un grand débat sur la hausse des tarifs et sur les différentes façons de taxer davantage puis de tarifer davantage nos Québécois, alors qu'il y a des compagnies qui viennent chez nous puis qui ne paient pas leur juste part pour des ressources qui nous appartiennent et qu'ils développent correctement, si ça se fait dans le développement durable, mais qu'ils développent avec profit. Ils font des profits avec ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne paieraient pas des redevances là-dessus?